CIST en direct de l'hôpital que Norbert Harrer a donné de ses nouvelles. En effet, dimanche 16 mai 2021, le chef cuisinier s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer qu'il avait été hospitalisé d'urgence. Salut les amis, voilà quand la machine s'emballe. Résultat, un pneumothorax, rien de vital, a-t-il déclaré. S'il n'a pas révélé les raisons qui lui ont provoqué cet emballement, Norbert Harrer a toutefois précisé qu'il avait besoin de reprendre ses forces. Sieste donc pour une période de 3 semaines, qu'il va prendre du recul et s'éloigner de ses activités quotidiennes. Je vais faire un arrêt au stand pendant 3 semaines et normalement je serai sur pied. En tous les cas, je vais être chouchouté par mon amoureuse, a-t-il ajouté. Lors de sa convalescence, Norbert Harrer pourra en effet compter sur sa nouvelle compagne Abby. Sur le cliché qu'il a dévoilé, la maquilleuse de profession se tient d'ailleurs à ses côtés, sur son lit d'hôpital. Le serrant fort dans ses bras, elle affiche un sourire qui en dit toutefois long sur son état de fatigue et son inquiétude. À noter qu'un commentaire, les amis de Norbert Harrer lui ont également adressé quelques mots. Bise mon pote. Prends soin de toi, lui a par exemple écrit l'animateur Jérôme Anthony. Courage mon nono a partagé Léa Landau ou encore bon rétablissement bro a publié le présentateur télé Raphaël. De quoi lui redonner le sourire aux lèvres. Norbert Harrer, un homme heureux depuis son divorce avec Amandine, Norbert Harrer a retrouvé les petits plaisirs de la vie de famille. Même s'il est resté en bon terme avec son ex-compagne, CIST auprès d'Abby qu'il est désormais heureux. D'ailleurs, le 7 juin 2020 le couple a accueilli son premier enfant. Un petit garçon prénommé Lydia. Petit bonhomme dont il va devoir rester éloigné le temps de sa convalescence.